Salut les amis, ça boum et tout et tout. Bon, j'espère que vous avez aimé la première vidéo, car maintenant il y aura du nouveau. Alors je vous présente mon épouse Gertruda. Salut Oscar, bonjour ma chérie. Et qu'elle arrive, Agnès encore une fois, elle est toujours en retard. Coucou. Salut, j'espère que vous connaissez sa famille. Oui, ben moi je vais vous la montrer, hein. Donc alors j'ai ma fille Manon. Salut, moi c'est Manon. Et mon mari Jérôme. Coucou tout le monde. On est un petit peu coincé là dans la caméra, allez poussez-vous. Gertruda, tu peux te pousser avec ta robe, hein. Non, c'est vous qui devez vous pousser. Gertruda, tu vas te pousser. Voilà. Maman, ça va? Oui, ça va bien. Bon, sortez de l'ombre vous deux. Hop, voilà. Et Gertruda aussi. Non, c'est toi qui dois dégager ma fille. Bon, bah alors pour cette... C'est pas grave, hein. Pour cet épisode, j'espère que vous avez aimé. On a plein de jeux de mots. Et ça va être notre réconciliation. Suite de l'histoire. Allez, viens, Gertruda. On va aller prendre un beau petit thé ensemble. Et aussi, on a encore mis les affiches. Au revoir. Waouh, salut ma fille! On est à côté de tes chouchous, nous! Waouh, eh ben, t'as la poule, ma chair de poule! Cote, cote, cote! Waouh, attention, il va te crawler dessus! Ah! Waouh, trop le style cow-boy, là, j'adore, hein, et tout! Ah, salut ma fille, ça boum! Coucou! Alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux nous inviter à ton château Pinipon? Non, à mon bon appart! Ça s'appelle un bon appart! Un bon appart? Et ok, donc j'ai une petite information à faire. Il y a Napoléon Bonaparte qui est là. Comment ça, Napoléon? J'adore tes jeux de mots. Ben, tu savais pas que tu possédais un Bonaparte et que tu étais général, donc tu es forcément Napoléon Bonaparte. Oh, t'as aucun sens d'humour. Tu connais mon adresse. Oui, alors laissez-moi vous la dire à votre. Château Pinipon, avenue de la Barbie, 13480, Playmobil My. C'est ça? Non, c'est Playmobil My, Playmobil.com. On a dit Reine du Château. On a dit une adresse, pas une adresse. Ouais, bah, c'est moi, c'est moi. À ce soir, on vient vers 18h. À ce soir, non, tu viens vers 4h30. Ok. Non, 18h, quoi que c'est mieux. Ils sont là, chérie, Oscar. On est garé. Coucou. Bonjour. Excuse-moi, Gertruda, fallait leur dire qu'il fallait passer par la porte d'entrée. Ce n'est pas une manière d'entrer comme ça, ma fille. Bah, c'est pas ma faute, hein. C'est à Gertrude qui... Gertruda, madame. C'est pareil. C'est à Gertrude qui nous accueille ici, donc on va rentrer par là. J'adore ouais, votre bon. Château Pinipon, vraiment. Bon, allez, installez-vous, venez. Eh bien, ne dégustiez-vous pas un petit croissant? Gertruda, ce n'est pas français ce que tu viens de dire. Si, c'est français. Enfin, je crois. Non, j'ai pas très faim. Gertruda, rappelle-moi, tu es la fille de la première tentative dans l'épisode précédent, c'est ça? Exact. Et alors? Bah rien, c'est juste que t'as 10 ans de moins que moi et tout. Que mon père, il a 30 ans de plus que toi. Bon, bref. Et alors, quel âge j'ai au juste? J'ai 10 ans? Non. Ah, si, finalement. Eh ben voilà! Je démissionne! Et sachant que vous allez vous les bouffer tout seul, ces croissants à la noix. Ok, nous on y va. Mais Gertruda, tu m'as tapé. Oh, et toi, bouffer, espèce de goinfre. Salut! Bon, ben, je crois que ça n'a pas trop marché, cette réconciliation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non? Bon, ben, parfait. Je me suis un peu disputée avec Gertruda, mais elle a avoué que elle avait tort. Donc, j'ai ma petite idée sur l'endroit où va se passer notre prochaine réconciliation. Normalement, ça devrait se passer plutôt bien, mais presque, à peu près. Bon, à tout à l'heure. Enfin, je crois, à tout à l'heure. Je vais quelque part. Où ça? À l'escalade avec ton grand-père, il m'a invité. Tutu. Ah, il est là, à ce soir.
À ce soir, maman. Dépêche, on est en retard. Grouille, Agnès. D'accord, d'accord. Bon, écoute, il faudra vraiment que tu te secoues pour l'escalade. Bon alors, Agnès, tu veux commencer par quoi? Par celle-ci? C'est celle que j'ai réservée. Niveau expert, tu es sûre? Ben ouais. Bon allez, viens, décroche ta corde et on y va. Ok. C'est assez compliqué, non? Assez. Hop, c'est bon, moi je suis prête, je commence. Vas-y, commence. Wouhou! Oui, c'est simple. Tu devrais le faire, c'est simple. Heureusement que ça tient bien. Ouais, bah heureusement, parce que la prochaine fois, il n'y aura pas de corps. Moi, je suis trop capable de sauter, ma fille. Regarde un peu le pro. 3, 2, 1. Wouhou! I believe I can fly. Bon alors, voyons voir tous les dégâts que ça a fait. Oui, c'est sûr, c'est beaucoup. Bon. Je vais pas bien. Ah oui, c'est sûr, ça fait beaucoup de dégâts. Tout à fait d'accord, ma fille. Bon, ben voilà, c'est comme ça que je me suis ouvert la tête et cassé le bras. Les secours sont arrivés, patati et patata. Bon, voilà. Et la prochaine fois, ben, j'ai décidé de l'inviter dans un resto. Ce sera plus sûr. Enfin, je crois. Presque. Ouah, regarde, une Ferrari. Quoi? Un Ferrari? Ça n'existe pas. Mais non, pas un Ferrari. Une Ferrari. Mais non, mais c'est pas un Ferrari, bande de nouilles. C'est ce que vous venez de dire pourtant. Oh, que je suis bête. Là, je peux le confirmer. Qu'est-ce que tu me veux? Ben, je voulais t'inviter dans un restaurant. Un restaurant? C'est bon, c'est fini mon cours. Oui, oui, tu peux descendre. Qu'est-ce que tu veux? T'inviter dans un restaurant. Ah! Que tu sourdes, ma fille. Bon, ok, à quelle heure? Il est trop bête, celui-là. Viens, on y va. Ouais, ouais. On laisse le journal. Plus, c'est celui qui a peur. Donc, à quelle heure? Ok, 21h, à ce soir. Bon, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait. Comment pourrais-je dire? Pour m'avoir dérangé à mon club? Insulté? Tu m'as insulté? Ben ouais. Ah oui, c'est vrai, quand tu me disais dégager. Oui, je te pardonne, mais à une condition. Oui, quoi? Que tu me payes le petit repas à la truffe à 259€. Bon, bah t'as intérêt très à accepter, hein. Parce que sinon, gare à tes fesses. Bon, oui, d'accord, je te l'achète. Coup, j'adore, merci. Bon, ben voilà, c'est comme ça qu'on s'est réconciliés. Mais j'ai d'autres problèmes. Tu nous as tout ruiné. Mais on reste mariés. Ah, les couples. Toujours compliqué, hein. Bon, je me plains pas parce que moi, la dernière fois, on a failli démissionner. Juste à cause d'un petit bout de pain. Bon, et tu dois me propiller une garde-robe. Bon, et c'est comme ça que se termine notre épisode 2 à la lueur de la chandelle. Et grouille! Bon, ben d'accord, ben, je dois vous laisser, je dois acheter une nouvelle garde-robe. Ok. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. Et abonnez-vous pour la suite! Je vais peut-être enlever les étiquettes. Hein. Je vais t'aider! Et ma garde-robe! Oui, ça va, j'arrive. Ouh. Au revoir! Adios, amigos! Just keep silent. And in the places where you've been, nobody will say.